Nancy! Quoi? Ma commande est-tu prête, là? Le taxi roule, j'ai un client qui m'attend au centre-ville. Oui, oui, mon regatien, ça s'en vient, là. André Boisclair. D'après moi, lui, il a des chances de rentrer aux prochaines élections pour devenir le prochain premier ministre. Ah, ouais, tu penses? 4 sur 10, mon pit. Oui, madame, parce que le Québec est pas prêt pour une femme, mais lui, ça va être comme une espèce de transition. Mm-hmm. Tiens, ma grande. Tiens, mon pit. Ben voyons, là. Regarde ça, là. OK, à demain. Salut. J'ai entendu parler de ça, le cycle du soleil. Allez voir ça, l'autre jour. Hey, c'est rendu gros, hein? Hey, ça sort du plafond, ça rentre dans le plancher. Le malin, il avait un pendu au bout d'une corde par les dents. Ça avait l'air d'une peau chaude au bout d'une soie dentaire. À la fin que je me suis dit, quand je l'ai vu, là, je me suis dit, lui, il n'y a pas de dentier certain parce que sinon, on se wing dans le décor, là, tu sais. Hey, puis les petites chinoises, là, ça plie n'importe comment, ça, monsieur? Tap, ouais. Tu sais, je regardais aller, là, puis je comprenais pourquoi c'est eux autres qui ont inventé l'origami, là. Quand je te regarde, là, tu te demandes c'est quoi dans ta tête, hein? Ça, l'origami, là, c'était inventé par des Chinois qui avaient rien à faire avec une feuille de papier. Au lieu de faire comme nous autres, une petite boule, puis à picher dans la corbeille, là, ils ont fait des grenouilles, des girafes à la place. Comme l'évangile en papier, mais... asiatique, là. En tout cas, ça pour te dire que les petites chinoises, là, sont pas rien que bonnes pour remplir les verres d'eau d'un buffet, là. Oh, non, 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 ça, c'est capable de plier en 8, ça, monsieur. Oh, yeah. Quand tu regardes aller, là, t'as affaire à suivre, parce que sinon, t'as l'impression de regarder un baril de poulet frit Kentucky. C'est une cuisse, ça, bonhomme de poitrine. Tu regardes aller, là, ça donne des complexes pareils, là. Et moi, je suis même pas capable de me plier en deux et détacher mon soulier, là. Mais une fois sur deux, quand je suis capable, je pète. Fait que je pense pas que le monde paierait pour aller voir ça, là. Bon, peut-être avec un lighter, là. Et bâtard. Check ça. Faut pas me déranger. C'est-tu de la graine de sésame, ça? En tout cas, ça pour te dire que moi, le sac du soleil, ça m'a bien déçu. Surtout en musique, là, puis je sais que je suis pas tout seul, là. Hey, come on. T'es pas capable d'écrire des paroles de chansons, là. Invente-toi pas une langue pour faire semblant que t'es capable d'en écrire, là. Ils me font pas croire que la chanteuse retient ça par cœur. C'est des mots qui existent pas. Ils nous prennent des câbles, là. Ça, c'est un autre mystère que je vais mourir avec, ça, là. Ils ont quand même réinventé le cirque. Ben, appelle-moi la vieille école, si tu veux, là. Mais pour moi, le cirque, c'est pas ça, là. Moi, là, le cirque, faut que ça sente l'étable, là. Moi, je veux pas une gang de fifs en collant multicolore avec de la musique que je comprends pas. Moi, ce que je veux, c'est des mini-poneys avec un éléphant, puis tu te croises les doigts, puis qu'il y en a un qui se lâche, un tinet. Parce que moi, un petit brun, là, qui se promène partout en courant, là, ça, c'est drôle. Ça, c'est du sucre, madame. Tu sais, moi, là, ce que j'aime, là, c'est que, mettons, il y a un clown, là, qui s'en vient avec une chaudière, là, puis s'en vient vers nous autres en courant, là, puis là, il garoche la chaudière, puis là, c'est pas de l'eau, c'est des confettis. Hey, moi, ça fait 30 ans, j'y vais. Ça fait 30 ans, il me fait pogner. À chaque fois, lui, il gagne son chèque. Moi, là, ce que je veux voir, là, c'est un vieux bleaché de 63 ans, là, qui se met à la tête, là, dans la gueule d'un lion, qui est stone comme une balle. Ça, c'est du cirque. Là, je me dis, aïe, aïe, aïe. Imagines-tu la laine de ça? Pauvre lion.
T'as-tu entendu ça dans le journal le matin? Quoi? Les Américains veulent acheter nos rivières. Hey, ils sont pas gênés, eux autres, hein? L'eau, ça appartient à tout le monde. Ouais, mais ça a l'air qu'eux autres, ils pensent que c'était eux autres en premier. Ouf, qu'est-ce que tu veux faire ça de même? Ben, qu'ils mangent la marde! C'est à nous autres, notre eau. Veux-tu moi te dire pourquoi les Américains, ils ont plus d'eau? T'as-tu déjà goûté à leur bière? Pour moi, ils la mettent tout dedans parce que c'est ça que ça goûte. De l'eau jaune avec de la broue. Ça goûte rien, esti. La bière est où là-dedans? Je sais pas, moi, fouille-moi. On devrait faire comme eux autres. Les Américains, eux autres, à chaque fois qu'ils nous vendent quelque chose qui vient de chez eux, 9 fois sur 10, c'est de la scrap. Hamburger, cheeseburger, Kentucky, pizza pas cher, Paris Hilton, tout de la scrap. La seule affaire qu'ils nous ont vendue, eux autres, qui avaient de l'allure, là, c'était The Price is Right. Hein? Ça, c'était de la TV, madame. Un petit vieux qui a un micro de 3 pieds, là, avec une roue qui fait ding-ding, puis un gars de l'armée qui essaie de la débarquer, puis 2 bonnes femmes qui montent les prix, boostent un petit peu, puis là, t'en appelles un autre qui vient de la foule, commandant de championne, à cause dans l'allée, puis ça y envoie dans la face, puis on donne des toasters, des chars, des croisières, puis wait donc. Hein? T'as-tu de la TV, ça? Anyway, pour en venir à mon affaire, là, on devrait faire comme à ça. Tu veux qu'on lui vende nos rivières? Certainement. Mais juste les plus pollués, là, les pleins de marde, là. C'est comme la Saint-Laurent, la Yamaska, la Saint-François. S'il y a de la Wawanish à 2 têtes dedans, vends-le. S'il y a du castor avec du collier en algue bleue, soigne-le, ça. Ouais, c'est pas fou, ton idée, là. Ben, tiens. M'a dit mieux que ça, là, on lui met ça dans une belle bouteille. On va les embouteiller en bord de ça. On va appeler ça la Yamaska avec un tréma sur le M. Ils vont penser que ça vient de la Suède, 8 piastres la bouteille. Tiens, mon sale. Ah, ah. Si on est chanceux, là, ils vont prendre nos scrap pour faire leur bière. On va peut-être commencer à goûter quelque chose. Je pense à ça, là. Qu'ils remangent la marde. Pis s'ils aiment ça, enlève-le. La stitale. Goût de sang, des carottes bio. Pas une grosse différence, hein? Ça goûte les carottes. En fait, veux-tu m'entendre, moi, c'est quoi la différence? Ça coûte 4 fois le prix. Sais-tu, tu m'aurais pas dit que c'était du bio, Laurent Hamassu. Comme quoi, c'est pas parce que tu connais le nom de la vache que ton verre de lait est meilleur, hein? Ça, le bio, là, c'est-tu sais qui est en arrière de ça? Moi, je te le dis, j'en sais trop, je suis dangereux, mais moi, te le dis juste à toi parce que toi, t'es en train de te faire embarquer, mon chum, là. Ça, le bio, c'est-tu sais qui est en arrière de ça? Les compagnies de chip. Oui, monsieur, ben ça te coûte 4 fois le prix à la fin de la semaine, t'as plus une scène. Qu'est-ce que tu fais? T'achètes du Kraft Dinner puis des chips. Ça se tient-tu assez, mon affaire? Hein? Je te le dis, j'en sais trop, je suis dangereux. Quand ils vont pogner Ben Laden, là, je tombe le prochain en haut sur la liste. Fait que si jamais t'entends parler d'une cave à louer, là, tu me le dis. C'est-tu quoi une carotte bio? Ça, c'est une carotte qui a poussé sans pesticides dans la marde de mouton. Mais veux-tu, moi, te la poser la question, moi, qui va te fucker, moi, va te faire douter? Qu'est-ce qui te dit que ton mouton, lui, il a mangé bio? C'est beau. Tu peux pas le checker, si 24 heures sur 24, ton mouton? Mettons, il y a un petit creux, il s'en va gabader, lui, puis il mange n'importe quoi. Parce que moi, on m'a dit une affaire, là. Des fois, je regarde mon chien, il sait pas, je regarde mon chien, là. Puis si tes carottes avaient poussé dans le fumier de mon chien, là, je te le dis, tes carottes, ils goûteraient la pantoufle. L'autre jour, j'entendais ça, les politiciens broyer, là. Est-ce que le Québec devrait être reconnu comme une nation? Hey, Ticoune, on s'en sac-tu de ça, là? Moi, quand je me lève le matin, la première question que je me pose, là, c'est pas « suis-je une nation? » C'est « qu'est-ce que je fais? Mets-tu une nouvelle paire de canzons? » Ben non, si je mets la même que j'ai depuis une semaine. Puis m'a dit, la plupart du temps, 1 fois sur 7, je réponds oui à cette question. Sauf que j'ai un petit rendez-vous galant, là. Hein, grand? On se comprend-tu? Hein? Hein? Non, mais ça me donne quoi, moi, de savoir si je suis une nation ou pas? À rien. Ça me donne à rien. Moi, de toute façon, là, je veux pas être reconnu comme une nation.
va être reconnu comme autochtone, Basti. Moi, je veux que le Québec, là, soit une réserve. Pas un pays, une réserve. Sont-ils bien, Basti, les autres, des autochtones? Ils ont tout. Pas de bill d'électricité, pas d'impôts, paquet de cigarettes à 3$, bingo volonté, away don, le gros party. C'est... La grosse vie, c'est le paradis. Hein? Hein? Je vais changer de ton, là. Mon taxi, là. Un rue de ton de face. Il faut juste qu'on se mette des plumes dans le cul pis dans le salon pour payer de taxes, là. On va y aller, toi pis moi. Hein? Pas plus cave qu'il y en a un autre. Hein? Petite plume, Steve. Woup, woup, woup. Pas payer de taxes, là. Travailler comme des caves, là. Hum? Ah, ben moi, là, je fais bien du taxi, là. Je me promène là, dans le centre-ville, j'en vois plein, là. Moi, dis, moi, si j'avais tous les avantages comme eux autres, là, je faisais du gros party, moi, avec. Toujours les mêmes qui ont toutes. Hein? Toujours les mêmes qui ont toutes. Mettre un petit peu de chauffage, moi. Pierre de Saint-Denis, s'il vous plaît. Ta face me dit quelque chose, toi. Garou. Ah ben, Garou. Garou dans mon taxi, j'en reviens pas. Hey, j'ai assez hâte de raconter ça au stand, là. Ils vont capoter. Bon. Ça, c'est toi qui chantais belle, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est moi, ça. Hey, au nombre de fois que tu l'as chanté, j'espère que t'as donné un rabais à tes longues distances, là. Hein? Hey, pendant que je t'ai, là, il y a une question que j'aimerais ça te poser, là. C'est comment être sexe symbole? Être quoi? Non, c'est tout une job pareil, ça, sexe symbole. C'est pas ma job, là. Moi, je suis chanteur dans la vie. Non, non. Chanteur, c'est ton sideline, là. Ta vraie job, c'est sexe symbole. Tu sais, c'est comme moi, là. Moi, ma vraie job, je chauffe un taxi. Ouais. Mon sideline, c'est me promène sur les plages l'été avec un détecteur de métal. Si jamais ton sideline de chanteur marche plus, tu devrais t'acheter ça, un détecteur de métal. Tu le dis, tu vas pogner de quoi? Te prendre une petite marche de 2-3 heures, là. L'été, sur la plage, là, au mois de juillet, fin 20 facile, là. Mais c'est parce que... Je vous remercie du conseil, mais c'est pas un sideline, là, moi. Chanter, c'est mon métier, là. Ben oui, alors. Tu chantes combien d'heures par semaine? Ben là, combien de shows par semaine tu fais? 5, mettons, au maximum? 2 heures par show. Ouais. 5 fois 2, 10. Ouais. Hein? Travaille 10 heures par semaine. Pas une job, ça, c'est un sideline, ça. Le reste du temps, t'es sexe symbole. Je suis pas sexe symbole, là. Commencez à être fatigant avec ça. Ben, sexe symbole, certain. Hey, t'as déjà joué un bossu, pis les filles voulaient te frencher pareil. Moi, je te demande ça, là. Regarde, c'est pas pour moi, là. C'est parce que moi, mon petit neveu, il rentre au cégep. Ouais. Là, je sais pas dans quoi il va s'en aller, puis lui, je le connais, il peut aussi bien s'en aller dans la drogue, là, quelque chose de même, puis j'aurais préféré qu'il s'en aille dans sexe-symbologie ou le sexe-symboliste, comme toi. Je sais plus comment vous le dire, là, monsieur, là. Je suis pas sexe-symbole, là. Regardez mes oreilles, ça fait pas très sexe-symbole, ça. Hein? Regarde Mickey Mouse. Les enfants, ils l'aiment-tu? Hein? Et en plus de ça, là, devenir sexe-symbole avec les oreilles que t'as, là, c'était tout un message d'espoir pour la jeunesse, ça. Merci beaucoup. Je me gêne pas, moi. Quand quelqu'un le mérite, là, hein, je le dis. Très, très gentil de votre part. Je sais une affaire, moi, que... J'adore tout ce que tu fais, là. Rien qu'une affaire, je suis pas sûr. Entre toi pis moi, là. Ton nom. Garou. Tu sais, je comprends le principe, là. Ça, dans la musique, ça a toujours marché, ça, quand il y a rien qu'un nom. C'est Madonna, Prince, Beethoven. Mais Garou, ça sonne soft un peu. Pour moi, Garou, dans ma tête, ça a l'air d'un personnage de Cornemuse. C'est quoi ton vrai nom, mettons? Pierre Garand. C'est pas mauvais, Garou, finalement. Je ne pas ça quand tu y penses, vous, là. Vous, votre nom, là, c'est quoi votre nom, vous? Rogatien. Rogatien? Oui, monsieur, Rogatien. Rogatien. Aimes-tu ça? Oui, c'est...
Je trouve que ça fait très sex symbole. Ah ouais, vraiment? Mais non, c'est une joke, là. T'as un autre sideline, ce comique? J'ai hâte de voir si tu vas trouver ça le fun, une petite marche qu'au Saint-Denis. Quartier latin. Non, pas dur, faire une phrase complète. On ne veut pas vous décevoir, là, mais vous savez quel film que vous en allez voir, là, dans 6 mois, il va poser gratis à la TV. Là. Bon. T'en as rien payé pour ça. Hein? Ça vous dérange pas de payer un bras pour rentrer là, puis en payer un autre si vous décidez de manger un popcorn. Et juste que moi, je me demande si ça vaut vraiment la peine de venir manchot pour voir un gant collant qui vole. Là. Vous allez voir quoi? Une comédie romantique avec Julia Roberts. Et vous vraiment passer une petite soirée romantique? On va vous donner un truc, parce que moi, ça paraît pas, là, j'ai un petit sac à trucs, là. Moi, dans un restaurant italien, manger un bon spaghetti, 2 bouteilles de vin, 15 piastres chaque, ah ouais, ils sont capables de payer, là, regarde, ils sont pas cheap, là. Là, t'arrives à la maison, un petit peu de l'eau, là, puis tu fais ça sur le comptoir, puis là, tu changes de position. Ça, c'est romantique. Là, si tu tombes en bas du comptoir, ben, t'as ton côté comédie, là. Tu sais, comédie romantique. Ouais. Parce que toi, j'espère qu'à soir que tu t'attends pas à check-a-check, là. Hein, le grand? Parce qu'elle, elle va voir Richard Gere pendant 2 heures, là. On s'entend-tu que toi, tu y arrives pas à cheville, là? Non, bon, c'est pas dans le gars, là, les autres, là. T'sais? L'affaire, t'as réchauffé la main, parce que d'après moi, tu vas flyer solo à soir. Hey, on va juste voir le film se détendre, là, hein? Je paye un petit divertissement. Hey, moi, si je trouve ça divertissant, là, d'être pogné dans un siège squeezé à côté d'un gars qui s'est pas mis de déodorant depuis que Bourassa était premier ministre, avec 2 grands slacks de 6 pieds 8, décide de s'asseoir juste en avant de toi, si moi, ça me dérange pas, là. T'en as juste mon opinion, là. Faut juste être bête, esti. Vous aimez pas beaucoup le cinéma, vous, hein? J'adore ça, moi, monsieur. J'adore le cinéma. C'est juste que de m'enfermer dans une salle là, pour voir un film serbo-croate sous-titré en anglais d'histoire d'une fille qui vend des fleurs puis pendant la guerre, elle trouve l'espoir en rencontrant un alcoolique qui va l'aider à trouver le soldat qui l'a violé pour qu'elle puisse y présenter son enfant qui va naître. C'est pas mon fort, ça. T'sais, moi, j'aime mieux écouter Elvis Graton le 25e fois Canal D, là, en reprise. Il faut aller voir des films un peu moins télo déjà traduits. Ouais. Mais moi, film de Schwarzenegger avec la voix d'Yves Corbeil, là. Pas sûr, on dirait. On dirait que j'embarque moins. Il casse la gueule de quelqu'un, puis je m'attends à ce qu'il donne les numéros de la 649. Il va faire 10 et 50. Bonne soirée. OK, merci. OK. Ferme la porte comme il faut. Oui. Là, t'aurais pu t'asseoir en avant, franchement. Non, en arrière, comme la reine d'Angleterre. Surtout que c'est probablement la dernière fois que tu me promènes dans ton taxi. Mais oui, mon père, là. Je ne mène pas au cimetière, là. Hein? Je le dis, papa, je sais pas, ça va peut-être être moins pire que tu penses, là. Ben, toute une gang d'haïssables ensemble, là. Hein? Avec vos cartes, puis vos poches, puis vos pichenottes avec vos penules, là. Pas le fun, ça? Non, ça se peut. C'est vraiment dire quelque chose, c'est sur le pamphlet, le manger allait bon, il avait une belle couleur. Voilà que tu connais pas Photoshop, toi. Hey, Rod, parce qu'il y a des femmes, là. Ouais, ben. L'hospice, là, c'est comme le lac Saint-Jean. Il y a 4 femmes pour un homme là-dedans. Oh boy! Je vais sentir l'esprit net. Oui, monsieur. Well, let's go. N'oublie pas, là, parce que tu peux m'appeler quand tu veux, hein? Je t'ai jamais appelé, puis je commencerai pas aujourd'hui. Je suis trop vieux pour changer mes habitudes. Tu sais que moi, je t'ai pris une magnifique chambre avec la vue sur le parking. Fait que tu vas pouvoir voir tous les nouveaux modèles de char. Là. Je te le dis, d'ici 2 semaines, là, t'es le Michel Barrette de l'hospice. Oui, mais demande-moi pas d'enlever mes dentiers, par exemple. Hey, je vais te demander ça. Là. C'est-tu bien dur, le bongo? De quoi? Le bongo. C'est-tu dur, le bongo? Mais non, facile à jouer, le bongo. Bongo? Oh, OK. Ta mère était bonne au bongo. Bien sûr, tu parles pas du bingo, toi, là? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Dubois. Justement, on vous attendait. Bonsoir. Voilà, pour vous. Merci. Oh, je voulais vous demander ça. Avez-vous l'Internet des chambres? Ah, oh, non, pas encore. Ouf, une maudite bonne affaire. Ben, j'ai pas la moindre idée de qu'est-ce que c'est.
Non, mais je sais même pas comment ça se fait que ce mot-là m'a sorti de même. J'ai dû entendre ça à la radio un matin, quelque chose. Ah, ben, c'est... C'est ça qui est ça. Hein? Si jamais tu changes d'idée, le père, là, moi, je te ramène à la maison d'être là. Non, n'aie pas peur, là, je changerai pas d'idée. Ça fait 5 ans que je veux m'emmener à cette aille. Je rêve à ça, là. Mais qu'est-ce que c'est, là? Viens, là, viens, là, hey. Va voir ton taxi, là. Tu vas le faire voler, là. Les valises. Bye. Théâtre Saint-Denis, s'il vous plaît. Ah ben, Lise Dion. Hey, vous, là, je vous adore, vous. Le gouvernement a de l'argent pour acheter des hélicoptères qui volent pas, des sous-marins qui calent, mais pas pour acheter des livres à la bibliothèque, ben non. Ben non, ben non. Hey, 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 on n'a pas, hey, on a pas une scène pour ça. Non, non. Depuis nous autres, ben, à un moment donné, à force d'y voir la fun de même, on rit, ça finit plus, là. Hein? Marche pas tout le temps, là, c'est sûr, là. Ben, moi, avec, je veux plus parler de ça, là, je viens mauvais, si, regarde.